Bonjour, je m'appelle Rushan Chenevi, je travaille à la Croix-Rouge du Burundi. Notre idée est unique dans la mesure où elle vise l'inclusion et l'intégration des personnes à besoins spécifiques, spécialement les personnes sourdes et muettes dans tous les programmes et réalisations des activités qui se font dans la communauté par les volontaires de la Croix-Rouge du Burundi. En plus, nous souhaitons intégrer leurs compétences et leurs capacités afin de les mettre à contribution dans la communauté en tant que volontaires de la Croix-Rouge du Burundi. Nous allons les intégrer dans les sensibilisations sur les violences sexuelles basées sur le genre et la lutte contre la COVID-19. Par la suite, nous souhaitons intégrer la langue des signes en tant que langue usuelle utilisée à la Croix-Rouge du Burundi. Tenant compte des commentaires de la phase 2, nous allons étendre les formations et les sensibilisations des staff et des volontaires sur cette inclusion et cette intégration. Nous allons aussi les intégrer dans tous les programmes et les réalisations des activités de la CRB que font les volontaires dans la commune. Et le succès de mon idée ressemble à une collaboration et un suivi régulier qui s'inspire de cette inclusion et cette inclusion et intégration de toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes ont été associées dans la conceptualisation de cette idée, mais aussi dans l'évaluation des besoins. Toutes les parties prenantes ont été associées dans l'identification des participants et dans les formations, mais aussi dans les activités déjà réalisées, tout en tenant compte des aspects sexo-spécifiques de leur catégorie, de leur âge, mais aussi de leur diversité. Un cadre logique a été mis en place et sera suivi par un calendrier et une planification claire. Des évaluations sont prévues pour s'assurer des résultats, des défis, mais aussi des leçons à garder pour l'avenir. En ce qui concerne le budget, 60% du budget sera alloué aux formations en premier secours, spécialement dans le contexte COVID. La sensibilisation sur les violences sexuelles basées sur le genre et 20% pour les publics reportages pour sensibiliser la communauté à travers les télévisions et 20% pour les activités de concours entre les volontaires pour promouvoir cette inclusion et cette intégration. Les prochaines étapes sont la sensibilisation des staff et des volontaires sur cette inclusion et intégration. Diffuser les publics reportages sur les médias télévisés afin de sensibiliser la communauté sur l'inclusion et l'intégration de ces personnes à besoins spécifiques dans les activités de la communauté. Continuer à sensibiliser le staff et les volontaires sur l'utilisation de la langue des signes. Notre idée s'inspire du cinquième objectif du plan stratégique 2022-2026 de la Croix-Rouge du Burundi, dans son axe stratégique qui vise la promotion de la dignité, la participation et la protection des personnes, y compris celles à besoins spécifiques. Cette idée est guidée par la stratégie de la protection genre-inclusion de la Croix-Rouge du Burundi. En cas de défi comme cette idée entre dans les orientations de la société nationale, au cas où les moyens nous feraient défaut, nous essaierons d'être efficients, mais de garder les acquis et de les pérenniser. Au cas où les influences externes tenteraient d'exercer leur influence, les principes fondamentaux